continue votre cycle avec les livres 4, 5 et 6. Le quatrième, plus proprement, devait être avec les premiers trois, parce qu'il continue de chercher sa voix, il continue avec la polyphonie. Mais le cinquième est un grand moment dans la vie de Monteverdi, mais également dans l'histoire de la musique. Parce que pour les derniers six madrigaux, il ajoute le basso continuo. Et le basso continuo, ce n'est pas tout simplement un accompagnement, c'est une libération. Ça libère les voix d'être seules. On n'a plus besoin d'une voix basse pour chanter avec une voix de ténor ou une voix soprane. On peut avoir les solistes. Dès qu'on a les solistes, on peut adopter les personnages. Dès qu'on adopte les personnages, on peut raconter des histoires. Si, mentre il lieto il tuo starratti accanto, occhi cantanti da solo verriso. Les madrigaux ne sont plus les petits épigrammes, ils deviennent les vrais drames. Et puis le sixième livre, c'est un livre magnifique. On a eu, entre le cinquième et le sixième livre, Orfeo et Arianna. Donc l'opéra est né, l'opéra privé à Mantoue. Mais quelles œuvres! Malheureusement, Ariane est perdue. Dans le sixième livre, on a la version en cinq voix, la grande Lament d'Ariane. C'est une œuvre exceptionnelle. Mais également, on a la Sestina. Sestina était écrite parce que la fille, Caterina Martinelli, qui devait chanter le rôle titre dans Ariane, est morte juste avant. Vincenzo a demandé à Monteverdi d'écrire cette lament. C'est une œuvre absolument exquise. Et là aussi, je crois, pour la toute première fois, on voit le livre construit d'un sens dramatique. Il y a les piliers des grands scènes dramatiques. Il y a des solos, il y a des moments pour clavecin, il y a les madrigals à cinq voix traditionnelles. C'est une œuvre absolument fabuleuse. Et l'histoire de publication de sixième livre est très intéressante parce que c'était écrit clairement à Mantoue et ça raconte les événements qui se passaient à Mantoue. Mais c'est publié ici à Venise. Et ça, c'est parce que Monteverdi vient de déménager ici à Venise. Il devient maestro di cappella de San Marco. Il reste ici jusqu'à la fin de sa vie. Il est enterré pas très loin d'ici, à l'église des Frari.
sauvage, plus discret.